Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 12e épisode de mon Let's Play sur le jeu Banished saison 3. Et donc je vous avais dit la dernière fois que j'allais attendre un petit peu le temps qu'il y ait des migrants qui arrivent dans ma ville et que je les accepte. C'est chose faite, c'est en l'année 79, au tout début de l'année 79, j'ai accepté 66 migrants d'un coup. Voilà, donc j'ai arrêté la partie juste après. Mais je sais pas trop comment je vais me dépatouiller. On va voir ça du coup dans cet épisode. J'espère que j'ai pas fait une trop grosse connerie. Allez, on est parti. Donc, me revoilà sur la partie. 48 personnes sans abri. Parce que j'ai accepté 66 migrants d'un coup. Donc le temps qu'ils rentrent... Enfin, il y en a certains qui sont rentrés dans la pension de famille. Mais pas tout le monde. Voilà, du coup, là, je suis un petit peu dans la mouise, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau du bois, au niveau de tout. Je suis dans la grosse merde, et donc, il va falloir que je me débrouille. On va commencer par faire un woodcutter en plus. Il faut mettre du monde à l'ouvrage, hein. Très clairement, il faut qu'on arrive à sortir les doigts du fion et qu'on arrive à faire quelque chose. Je vais mettre une route de pierre à côté, qui va aller jusque là. Ben non, j'ai dit celle-là, elle va aller là. Ce sera plus simple. Est-ce que je peux pas faire une maison directement ici? Non, je rentre sur l'autre maison. Tant pis. Alors, on va faire aussi de la nourriture. Faut que je fasse plein de trucs d'un coup. Je vais relâcher à la fin, bien évidemment, le jeu une fois que j'aurai tout fini. On va commencer par faire un autre champ. 15 par 15. Donc un champ ici. On a un verger déjà qui est fait. On va en faire un autre de champ par ici. Je pense que là, c'est pas mal. Ok, un deuxième champ sera bien. Je vais mettre des maisons, je vais essayer d'en mettre un maximum parce que il faut que j'arrive à gérer cette crise, ce flux migratoire important de personnes d'un coup. C'est pas du tout optimisé, mais tant pis. Ok, donc là, 6 maisons, donc on va monter carrément le nombre de personnes, évidemment. Il va falloir gérer aussi le fait qu'il y ait énormément de comment ça s'appelle ? De gens qui vont arriver au niveau de la nourriture, au niveau... Ah, il y a tellement de trucs. Parce que là, je viens de passer à 327 adultes, 100 enfants, 74 étudiants. Bref, c'est la grosse poilade. J'ai vraiment énormément de trucs à faire. Et il faut que je m'en occupe très vite. Donc, là, on va refaire des champs, je pense. Ça va être pas mal. On va commencer par mettre une grange à côté. Ok. Un stockpile juste à côté. On va en avoir besoin. Au cas où, parce qu'on est un peu loin de là-bas. Ensuite, on va faire une route de pierre. Ok. On va faire un verger et un champ. C'est vrai que c'est du 15 par 15 aussi au maximum. On va essayer de se coller par rapport à la montagne d'à côté. Ok, premier verger ici. Ok, c'est toi. On va faire un 15 par 15 aussi. On va commencer par ça. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Je vais mettre un maximum de personnes à la construction. Ah oui, mais il faut pas que j'ai plus de travail. Ok, on est parti. Donc, waouh, que ça fait ralentir le jeu. Ouh là, on sent que mon PC, il galère. Ça m'était encore jamais arrivé, mais là, j'ai l'impression qu'il a du mal. Il a du mal, on sent qu'il galère à mort. Waouh. Heureusement qu'on arrive à la fin du jeu parce que là je le sens qu'il... Une épidémie s'est déclarée au rayon. Ah merde. Et un verger est infesté. Ok, je vais repartir en x10. Ah, il va falloir me construire tout ça le plus rapidement possible. On est au début de l'été. Ça va être tendu du slip parce que d'ici l'hiver, il faudrait qu'il n'y ait plus personne... Ouais, ils vont rendre visite au docteur. Putain, 3D. Ça va, j'ai deux médecins, deux hôpitaux. Normalement, ça devrait aller. On va éviter que l'épidémie se propage trop. Donc là, on a 36 personnes sans abri. Ok, bon. Va falloir qu'ils construisent. En espérant qu'ils fassent ça vite. Je devrais avoir assez de ressources pour les gérer. La question, c'est est-ce que j'aurai assez de nourriture ? Parce que ça va partir beaucoup plus vite que ce qui est prévu.
Ah oui, aussi bonne chose, je suis passé à 5 étoiles, enfin 5 cœurs du coup, en tant que santé moyenne, ce qui me fait particulièrement plaisir, parce que j'étais un petit peu, c'était un petit peu à l'arrache là, ça allait pas forcément bien, mais finalement, ça s'est plutôt bien regoupillé, et je suis plutôt content de ça. Alors, il faudrait qu'il bosse un peu plus vite, il bosse pas assez vite à mon goût là. Ils sont 40 constructeurs. Ah, quand même. C'est vrai qu'il y avait ces maisons-là aussi qui n'étaient pas finies. J'avais fait des maisons en pierre et elles sont pas refaites. Collecte des ressources. Oh là 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 là. J'espère que ça va passer, cette histoire. Ok, ça commence à construire. On est plutôt pas mal. 23 sans-abris. Ils arrivent à rentrer dans des maisons. Je comprends pas parce que je fais pas plus de maisons, mais ils arrivent à... Aria a su... combler une maladie infectieuse au rayon. Oh putain, l'épidémie... Ah non, c'est en train d'être réglé, ça descend. Bon, on a eu un mort dû aux rayons. Bon... J'espère que ça va être le seul. J'espère très clairement que ça va être le seul. Ça me ferait un peu chier. Ok, un bûcheron, on va augmenter le nombre de bûcherons, hop. Ils sont plus que 27 machins nécessaires, on va monter. Alors ici on va mettre du maïs, là on va mettre du blé. On va les passer à 106 évidemment. Là c'est en train d'être construit gentiment. Là aussi ça se construit, c'est très bien. Est-ce qu'on va arriver à gérer tout ce beau monde? Je vous le demande. On va passer à 41 000 de bouffe. Ça m'a plutôt l'air d'aller en réalité. Il y a encore un cas de rayon, mais il est en train de rendre visite au docteur, du coup ça va. L'épidémie va disparaître, j'espère. Oh, bah ça a l'air d'aller. On a plus de gens bloqués parce qu'ils... Enfin qui sont sans abri quoi. Je vais voir un petit peu au niveau de la pension. Il n'y a plus personne à la pension, c'est nickel. Bon, on a réussi à gérer cette crise. La question c'est est-ce qu'on va arriver à la gérer sur le long terme? Parce que là on a réussi à mettre tout le monde à la maison. Mais en même temps, est-ce qu'on va arriver à gérer cet afflux massif de populace dans notre ville? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je vais augmenter un petit peu encore le nombre de maisons. Je vais regarder un petit peu mes stats. On a 106 personnes qui travaillent. Ok, des noix de pécan, on va monter à 109 ici. Là, il va falloir qu'ils me récoltent ces histoires de champs. Ok. On est à 35 000 de nourriture, ça va bien. Alors, on va regarder un petit peu le graphique. Donc, vous voyez ici un énorme pic. Si on le passe sur 5 ans, ça va... Bah, voilà, on est passé d'un coup. On a gagné 66 de population totale. C'est assez important. On a 148 maisons pour 593 familles, donc on est carrément pas du tout bien placé en termes de famille. Pourquoi je regarde ça, sachant que j'ai déjà tout? Bon, on n'est pas du tout bien, mais bon, tant pis. On va rester là-dessus. De toute façon, on a du 109 de manière générale. Ah oui, ça fait quand même pas mal de gens d'un coup. On a du 109 de manière générale sur cette... Grâce à cette arrivée, on a plein de 109, ce qui nous permet de sortir un petit peu de ce problème de stagnation dans lequel on s'était retrouvé coincé un petit peu. C'est plutôt pas mal. On va mettre, je pense, un nouveau corral. Que je vais mettre par là. On va mettre un gros pâturage. Je crois que c'est 20 par 20. Oui, c'est ça. Allez, 20 par 20. J'ai pas beaucoup de bois, par contre. Il va falloir que je règle ce problème. Bon. Ça m'a plutôt l'air d'aller. Il faut qu'ils vont construire ces maisons en bois. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner un petit peu le jeu. Et puis, je vais vous retrouver une fois qu'il y a un problème ou que j'arrive à quelque chose. Allez, à tout de suite.
Bon, alors, je vous reprends parce que j'ai détecté un petit souci. C'est au niveau du bois. Le bois n'arrête pas de se casser la gueule. Et je n'ai pas assez de bois. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre une hutte de forestier par ici. Avec une maison à côté, ça va très bien. Et on va essayer de pas trop toucher à cette zone-là, en fait. Ça va faire une petite zone de récolte de bois. Un petit peu discretos. Je me suis complètement raté. Tant pis. Hop, on va le faire passer par là. Ça va bien. Ok, parce qu'il nous faut plus de bois, hein, clairement. Là, on n'a pas assez de bois. On va faire construire ça. J'ai fait aussi une nouvelle carrière parce que l'ancienne a été cassée. J'ai fait une forge et un atelier de tailleur ici. Je me pose la question, est-ce que je devrais pas faire un... Ouais, je vais te faire une nouvelle école parce que là, je pense qu'il n'y a plus assez de place. On va faire une nouvelle école en plus. C'est où? C'est là. Une nouvelle école qui ne rentre pas ici. Tant pis, on va la... Non. Ok, d'accord. Il y a une sale butte qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Une nouvelle école en plus. Voilà. Donc on a pas mal de choses. Là j'ai mis des poulets d'ailleurs aussi. Ça fait toujours des œufs et du poulet en plus. Ils sont beaucoup quand même de poulets là. Hein. Il y en a pas mal. C'est une sacrée basse-cour. Après pour le reste, ça fonctionne bien. La quantité de vêtements c'est à peu près stabilisé. Au niveau des statistiques, on en est à pas mal. Ils sont tous habillés. Ils sont pas tous instruits forcément parce que les nomades qui arrivent, bah, ils sont pas instruits. On est presque à 600 villageois. presque à 600, what the fuck. On a 70, 80 familles de retard, mais bon, c'est pas très très grave. On est à l'année 80. Bref, tout se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop de soussailles. On est carrément bien. Tiens, d'ailleurs, je viens de remarquer que tout le bois a repoussé ici. Je vais peut-être le récolter à la mano. Hein, 400, je sais pas. C'est un peu aléatoire la quantité de bois qui remonte et qui descend. Un peu spécial. Donc voilà, d'ailleurs c'est assez drôle, mais la carrière elle est beaucoup plus creusée une fois qu'elle est vide. Bon voilà, un petit détail pas forcément utile mais qui fait plaisir. Juste je sais pas trop quoi faire de ce bâtiment quoi. Tant pis. Tant pis, tant pis, je ne sais pas trop quoi en faire. Alors vous en êtes où du reste? Bon, le temps que ça construise tout ça. Là il n'y a pas trop grand chose à faire, hein, tant qu'il n'y a rien qui se casse la gueule. La nourriture là elle est pas très élevée, enfin relativement pas très élevée, mais il suffit d'attendre la fin de l'automne et là toutes les récoltes et ben elles arrivent et du coup ça remplit à mort les stocks. Mais d'ici là effectivement c'est vrai que c'est pas super élevé. Bon, je sais pas trop, on va laisser tourner un peu le jeu et puis on verra bien. Je vous reprends, j'ai eu un petit souci de type cramé. Merde, c'était pas prévu. Bon bah voilà, faut tout reconstruire. Merde, alors là ça va bien me foutre dans la grosse loose. Shit. C'était pas hyper prévu quand même. Bon voilà, j'ai relancé les reconstructions mais... Waouh. Notre planète, comme on dit. Ils ont tout cramé. En fait, ils n'ont pas réussi à éteindre l'incendie alors que bon, j'ai envie de dire que le puits il est juste à côté. Il est là. Ça m'a un peu saoulé. En plus, j'ai de moins en moins de nourriture. Bref, c'est pas encore totalement la joie. Même carrément pas du tout. Là, ils sont en train de tout réparer. Ça va prendre un peu de temps. Bon. Le temps qu'ils fassent ça. Moi, il faut que je regarde un petit peu où est-ce que je peux remettre des nouveaux trucs de nourriture. Parce que là, on est un petit peu dans la panade. Peut-être que là, je vais mettre un nouveau champ. Au moins un nouveau champ. Ah, mais là, il y a une butte. Il y a une butte. Donc, ça va être du 15 par 11. Tant pis. On va en faire un là. On va chercher des endroits où je peux en mettre. J'avais complètement oublié de mettre une école. Là, au niveau du combustible, on est bon, mais on voit qu'au niveau de la nourriture, c'est pas tout à fait ça, pardon. Je vais mettre un verger. Ok. Peut-être mettre une maison ou deux en plus ici, du coup. De toute façon, on a du peuple pour s'en occuper.
40 constructeurs. T'sais, 40 constructeurs et j'ai encore 20, 59 travailleurs de disponibles. C'est assez hallucinant cette histoire. Tiens, j'ai oublié de lancer la reconstruction de ce truc là. Bon. Est-ce que vous aurez envie de taffer un de ces quatre là-dessus? Parce que c'est pas comme s'il allait faire bientôt l'hiver, mais presque. Je sais pas ce qu'ils foutent. Flan. Et merde, j'ai comme l'impression qu'ils ont complètement bugué. Bon. Allez, c'est parti, construisez. J'ai l'impression que ça a commencé à se bouger le fion. Non, pas du tout. Ça y est, c'est parti. Peut-être. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre quand il y a trop de trucs de construction. On dirait qu'ils bug. On dirait qu'ils ont plus envie de taffer, ils ont plus envie de rien. Un peu énervant cette histoire. Pareil ici, je sais pas trop ce qu'ils foutent. Ah merde! Un peu relou. Les chômeurs dans la ville, oui, d'accord, je sais. Au moins, ils sont pas dehors. Ah, ça y est, ils ont commencé à apporter des trucs. Bon, enfin, le temps que ça reconstruise tout ça, vous savez quoi, je pense qu'on va, on va tout simplement arrêter là l'épisode. Il n'y a pas grand chose de plus qu'on va faire. Moi, ça fait bientôt une heure que j'enregistre un petit peu pour pas grand chose. Je pense qu'on va, on va directement essayer de pousser jusqu'à la fin dans le prochain épisode. On va atteindre la naissance. Je pense qu'il reste plus grand chose à faire. Donc, à moins d'un souci comme ça, je vais, ça devrait aller. De même que la nourriture, je pense que je vais continuer un petit peu d'augmenter légèrement de temps en temps, parce que c'est vrai qu'il y a encore pas mal de naissances et tout ça. Du coup, c'est pour ça qu'il faut de la nourriture de temps en temps, mais genre, je vais en mettre un petit peu par là, ça devrait aller. Je pense qu'on arrive vraiment suffisamment au bout pour qu'on arrive à faire des trucs. Hop, citrouille, on va augmenter un petit peu. Je pense qu'on arrive vraiment à la toute fin. Ça devrait aller. Du coup, ce que je fais, c'est que je vous laisse là. On se retrouve du coup dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play, pour la suite et la fin du coup. J'espère que cet épisode, bien qu'un peu, peut-être un peu court, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo, etc, etc. Vous connaissez un petit peu la chanson. Et puis, à dans 4 jours. Allez, salut à tous, portez-vous bien.